Bonsoir à tous, euh, bienvenue, merci de votre présence. On essaiera de ne pas être trop long de manière à ce que vous puissiez tous aller regarder le débat après. Euh, alors, euh, aujourd'hui, nous allons terminer, en somme, le bloc de séance que nous avons consacré dans le cadre de ce cycle sur la transmission, à, à la transmission des savoirs corporels. Euh, et la dernière séance... Euh, nous avons essayé d'apporter un éclairage sur la question de comment se transmet le savoir danser quelles sont les techniques en somme de, pédagogiques pour euh, apprendre euh, apprendre à danser euh, aujourd'hui nous allons euh, aborder les choses sous un angle un peu différent en nous interrogeant sur ce que la musique ce que la danse pardon transmet euh, autrement dit Qu'est-ce que le fait d'utiliser cette forme d'expression qu'est la danse transmet en dehors d'elle-même, de, en somme Et pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux jeunes chercheurs dans l'ordre alphabétique Jean-Baptiste Exet, qui est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est un anthropologue spécialiste d'une population du sud de l'Ethiopie qui s'appelle les Mursis euh, et qui a, entre autres choses, écrit un merveilleux livre sur euh, ces Mursis qui s'appelle L'Amour Vache, que je vous recommande vivement. Euh, également, euh, euh, Laurent Gabay, qui est maître de conférence à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, qui est aussi anthropologue, aussi africaniste, en l'occurrence, mais de l'autre côté, euh, puisqu'il a fait euh, un terrain chez les Bassaris en Guinée-Conakry. Et euh, tous les deux se sont beaucoup intéressés à la question de, euh, des effets sociaux, en somme, euh, de ce que la danse fait bouger dans les structures sociales, comme on disait, de, des sociétés qu'ils étudient. Je leur passe la parole et je les remercie très vivement d'être venus ce soir. Merci Anne-Christine euh, et merci à tous et toutes d'être venus. Euh, alors je vais voir si j'ai des télécommandes, de... on va voir si tout fonctionne. Ah ben c'est parfait, alors je reviens en arrière. Euh, L'anthropologie est une, drôle de... une science d'un type un peu particulier, euh, dans le sens où on part généralement dans une région du monde où on s'installe durablement chez des gens qu'on ne connaît pas animé par tout un ensemble de, de, de questions, patiemment élaborées dans des bibliothèques, et on finit généralement par travailler, euh, après quelques mois de, de, de quotidien partagé avec nos hôtes, par travailler sur des objets qui sont sensiblement différents de ceux qu'on avait initialement prévus. C'est en tout cas ce qui, moi, m'est arrivé. Je suis parti dans cette région, il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, de la, à la frontière de la Guinée et du Sénégal, chez des gens qui s'appellent les Bassaris pour travailler sur des, des questions de parenté, de ce qui fait famille dans cette région du monde, et j'ai fini par m'intéresser aux danses. Alors il y, a, il y a deux raisons qui expliquent un peu ce, ce déplacement-là. Euh, la, la première tient au fait que comprendre les relations de parenté, telles que moi je l'avais prévu au départ, supposait de s'intéresser à d'autres choses. Une chose majeure dans cette région, c'est euh, la manière dont les gens pensent, classifient les âges de la vie. Ils ont autrement plus d'âge de, de la vie que nous. Il y en a beaucoup plus. On passe de 6 ans en 6 ans d'un âge à un autre. Et ces transitions sont beaucoup plus nettes qu'elles ne le sont chez nous, euh, globalement avec enfance, euh, âge adulte, adolescence, âge adulte, vieille, euh, vieillesse. Et comprendre les, les classes d'âge supposait de s'intéresser aussi à autre chose qui en est l'embrayeur, le, ce qui fait que ça fonctionne, c'est-à-dire le rituel d'initiation qui permet de passer d'un âge à un autre. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, euh, elle, tient, euh, elle est beaucoup plus contingente, elle est plus personnelle. Elle, elle, elle tient au fait qu'après euh, un certain nombre de mois, je me suis retrouvé malgré tout familiarisé par les gens chez qui j'étais. De cet étranger un peu bizarre euh, qui trouve difficilement une place, on, on finit immanquablement par en trouver une. Et donc, j'ai occupé une place dans une famille, puis une place dans le système d'âge. Et à un moment, les, les, les camarades qui étaient les miens, euh, les gens on a, dont on avait estimé qu'ils avaient le même âge que moi, m'ont invité à danser. Donc je me suis retrouvé à danser l'une des danses du, du, du cycle initiatique des Bassari. Et euh, ça a été une expérience assez déstabilisante. J'étais évidemment très intimidé, j'ai eu peur d'être ridicule. Et curieusement, je ne l'ai pas été tant que ça, beaucoup moins que ce que je m'y attendais. Donc ça, ça a été une source d'étonnement pour moi. Et ça m'a permis, et c'est ce que j'essaierai de montrer euh, succinctement, euh, j'étais en quelque sorte une espèce de, de cobaye, de, de thèse. C'est-à-dire que si ça marche pour une pièce rapportée comme moi, c'est que ça a vraiment des effets. Et l'un des effets qu'a la danse, c'est de, de stabiliser en quelque sorte quelqu'un au sein d'un réseau de relations. Donc ça m'a stabilisé plus encore que je ne le croyais dans cette position d'âge qui était la mienne, le sexe qui était le mien, et par rapport à des gens plus vieux, plus jeunes, des hommes, des femmes, etc. Et donc dans les quelques, les quelques minutes que je vais prendre pour présenter, et puis après on aura l'occasion de discuter, c'est ça que je voudrais essayer de montrer, comment les, il est difficile dans cette région du monde, mais je pense aussi plus généralement, de penser la danse indépendamment de tout un ensemble de relations qui préexistent. Mais ce que j'essaierai de montrer, euh, au final, c'est que le, la danse en elle-même contribue à établir ce système de relations. Elle n'est pas juste une illustration de quelque chose qui préexiste, mais quelque chose qui permet, de plus que de l'exprimer, de l'engendrer en partie. Donc, quelques, quelques exemples. Euh, et vous allez voir que les. les Peut-être juste euh, très rapidement, généralité sur les danses. Donc on, on Les gens dansent une fois par an. Pendant six ans qu'ils occupent un échelon. Donc, on a, au fur et à mesure de l'avancée en âge, on va danser successivement toutes les danses du répertoire, euh, en tant qu'homme et en tant que femme. Et ça veut dire qu'on l'accomplit une fois par an. Il n'y a pas d'autre contexte pour accomplir la danse que ces contextes cérémoniels. C'est des occasions de grands rassemblements, c'est assez joyeux. Il faut produire en amont beaucoup de bière pour que les gens aient suffisamment à boire. C'est des occasions festives. Mais vous allez voir, euh, enfin, j'espère, les images ne sont pas toujours parlantes d'elles-mêmes. Euh, les gens sont... Euh, C'est une affaire sérieuse. Quoi. On affiche une mine et ce sont des, des danses qui s'inscrivent dans la prolongation de rituels qui se passent en coulisses. Et ces rituels qui permettent justement de passer les âges. Alors, juste une petite carte et que vous voyez une, une image du paysage. On est dans, en Afrique de l'Ouest, à la frontière de la Guinée du Sénégal. Et je vous raconte brièvement, je suis obligé de le faire quand même pour que vous compreniez. Je vous dis qu'il y a différents âges de la vie, mais euh, donc il y a l'initiation qui intervient à peu près vers une quinzaine d'années. J'ai simplifié, là, Pardonnez-moi, je n'ai pris que le, le cycle des hommes. Euh, et une fois qu'on est sorti de l'initiation, c'est un certain nombre d'épreuves qui vont durer quelques semaines euh, assez dures, où on subit de la part de gens plus vieux un certain nombre de brimades. Et les gens qui sortent de l'initiation sont nommés bangaltelegé, littéralement ceux qui morts C'est des gens qui ont Perdu un peu du sens de la raison et qui sont uniquement agressifs, et ça va durer pendant presque un an. Après quoi, ils rentrent dans la première classe d'âge, je n'ai pas trouvé de meilleur terme, au doug, euh, donc c'est les gens qui ont 17 ans à peu près, euh, c'est les jeunes, si on parle en français, c'est comme ça qu'on va dire. L'échelon suivant, c'est une autre affaire, donc six ans plus tard, là d'un seul coup on change, on change d'âge et les gens deviennent au paloug, et l'autre manière de le décrire, il euh, n'y a pas de traduction simple pour ça, c'est au langet, les chiens. Et on dit pas ça pour rien, c'est les gens méchants, c'est les gens qui font les choses dures de l'initiation, c'est ceux qui donnent les coups de bâton, si vous voulez. On arrive à l'échelon plus tard où des gens qui sont un peu tournant de la trentaine, ce qui était mon âge quand moi je suis arrivé là-bas, euh, des gens accomplis, des gens qui ont fait leur, leur cycle rituel euh, qu'on appelle au diar, Et après quoi, euh, les choses commencent à décroître doucement. On est au kotok, ça veut dire c'est une déclinaison du verbe finir, c'est les, les finis, les achevés. Mais les responsabilités rituelles commencent un peu à, à, à tomber. Et justement, belle et aussi, vous allez le voir. Euh, après quoi, on est, ce qui est maintenant mon cas, maintenant je suis, un, vous savez, je suis déjà un opidor, je suis un avachi, vous voyez ma, ma posture est déjà trahi mon âge. Et on, on finit au page bignan, les vautrés, alors que c'est des gens qui sont, qui sont à la veille de la cinquantaine, qui sont encore des gaillards, hein, vous allez voir les, les photos, c'est des gens en pleine constitution. Et après quoi, il n'y a plus d'échelon d'âge, on est juste vieux. Je vous montre le. En quelque sorte, ça, c'est le degré zéro de la danse, si vous voulez. C'est la sortie des initiés où c'est une espèce de. On voit ce qui va être une classe d'âge, c'est une promotion initiatique. C'est les gens qui ont été initiés la même année et qui sortent de, 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 des séries d'épreuves qu'ils ont fait auparavant. Et c'est une espèce de déambulation très très lente où ils ne font que se présenter sans aucune possibilité de de manifester un quelconque signe vers autrui, ils sont juste statiques, et c'est la, si la première manifestation publique de cette promotion euh, qui sort de l'initiation. Une fois que les, les initiés, un an après, intègrent véritablement une classe d'âge, ils vont chaque année danser une danse qui s'appelle euh, « au look », dont vous voyez une capture, euh, et je vais vous montrer une petite image. Et là... Euh, pas évident. Hein. Je vous essayer de vous décrire. Vous voyez là un peu au premier plan des. Euh, J'ai même un petit laser, je crois. Et voici. Non, ça va pas. Bon, je vais pas réussir. Euh, vous voyez euh, vraiment au premier plan des, des gens un peu plus habillés qui sont les gens de la classe d'âge. Et derrière, vous voyez des initiés qui sont en cours d'initiation, qui ne sont pas totalement terminés. Et vous voyez là, leur chorégraphie n'est pas exactement la même. Et c'est juste pour vous donner une image. Ça dure une minute. Euh, attendez. Hop. Voici. Ouais. qui ne parle pas de soi et qui est certainement pas évident à voir, mais là je peux vous aider à décrypter un tout petit peu les, les images. C'est le, vous voyez qu'il y a un contraste entre des gens qui sont très guillerets, qui, qui chantent fort, qui en fait, si on a les codes vestimentaires, sont déguisés en vieux. Ils se sont un peu vieillis. Vous avez des gens avec des, des espèces de boubous. C'est pas leur tenue, tenue ordinaire. Et ça c'est les initiateurs. Donc vous avez en fait deux classes d'âge consécutives. Avec des gens très sérieux, très bien habillés, qui ont patiemment collecté leurs ornements et qui dansent de manière appliquée, avec un visage hiératique, et des gens qui sont des initiateurs et qui prennent un ton, une tonalité beaucoup plus débridée. Et cette relation-là, c'est relation, la suite d'une relation initiatique. C'est des gens qui ont été les initiateurs d'autres. Et on le voit dans la danse. Et je vous prends une petite scénette. La danse peut durer, ça va durer quelques heures. Il y a des jeunes filles qui vont les rejoindre. Mais avant ça, on va, faire, on va sortir les danseurs un par un. Et on va les emmener se présenter devant euh, des filles et des jeunes filles qui seront peut-être dans dix ans leurs épouses. Et la scène, euh, elle est faite pour être embarrassante pour les, pour les jeunes gens. On les emmène, ils doivent chanter, en théorie, devant ces jeunes femmes, euh, très très jeunes, et qui doivent normalement apprécier, repérer qui sont les bons chanteurs. Mais les initiés ou les jeunes... Euh, Peuvent faire des ruses. Et là, en l'occurrence, vous allez voir le, le, le type qui est bien décoré que vous voyez là, il est accompagné de deux jeunes en cours d'initiation qui vont se livrer à, ils vont faire plus de bruit pour masquer la voix du chanteur lui-même. Ça dure pas trop longtemps, mais. Et vous voyez des initiateurs qui mettent des, des faux billets, ils leur mettent des feuilles. Tout ça, c'est des... un peu de l'humiliation. On se moque d'eux. Tu crois que tu es beau, regarde. Et là, les initiés couvrent le chant pour qu'ils ne soient pas identifiés comme un bon chanteur ou un mauvais chanteur d'ailleurs. Et les jeunes filles rigolent, hein. elles, elles peuvent. Elles peuvent, elles ont, elles ont le pouvoir de juger les hommes. On monte d'un échelon. Et là, on arrive chez la, dans la danse, qui est la danse peut-être la plus initiatique. Elle a quelques traits, euh, que vous allez voir, c'est des images assez vieilles, je ne l'ai pas refilmé depuis longtemps. Euh, là, ce sont les gens qui assument quelque chose qui est réprouvé moralement dans cette société, c'est d'assumer la part violente de l'initiation. On est dur, on est dur avec les candidats à l'initiation. Il faut qu'il y ait des gens qui, pendant un cycle. Six ans de leur vie assument cette part violente, qui est mal vue, hein. Euh, les chiens, c'est pour ça qu'on les appelle les chiens. Et ils ont une danse spécifique qu'on va danser à cet âge-là et qui est un peu particulière. Danse, bon, là, il aurait fallu la filmer d'un peu plus loin. L'une des marques de fabrique, c'est qu'il n'y a pas une femme et les femmes ne viennent même pas la regarder. Ces gens-là, encore une fois, sont les, les gens méchants et tout dans le, le symbolisme. Alors, vous voyez, il y a plus d'ornements, ça commence à être plus chargé. Alors, au monde d'âge, on, on gagne plus d'ornements, mais ils ont une espèce, vous voyez, un grand racleur là qui, qui tienne dans les mains, qui s'appelle la maramba et qui est une, un rachis de, 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 de palmier et qu'on frotte avec un petit bâton. Et le, ce, ce, cet instrument de musique est anthropomorphisé, il a une tête, il a un corps, et toute une série, de, le, 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 le rachis sur lequel on frotte. On le fait non pas avec un petit bâton, mais avec un sabre, et l'action de frotter ce bâton, ce qui en fait le, 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 le raclement, de, euh, ça consiste à égorger une personne. On égorge l'instrument, littéralement. Ce que les gens chantent là, ⁇ je suis en train de mourir, je meurs, je meurs ⁇ c'est une référence à la mort initiatique. À ce moment précisé, précisément, les, euh, les jeunes garçons, les candidats à l'initiation, sont dans le bosquet sacré, sont entre la vie et la mort, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Et la danse est là pour donner à voir ce genre de choses. Et pas de femmes, pas de femmes. On change, on monte encore d'un échelon pour aller à l'échelon suivant. On était chez les chiens, on monte chez les gens qui s'appellent Odiat, les accomplis. Il va falloir prendre quelques coups de bâton sur l'arrière des bras. Je vous décris cette société comme très violente alors qu'elle est très pacifique, mais les rituels sont durs. Euh, un rituel qui s'appelle l'attache, et c'est ce qui permettra de porter certains ornements. Si on n'a pas pris les coups sur l'arrière des bras, on n'a pas le droit de danser la, la, collectivement la danse qui suit. Et, euh, la danse est plus chaotique, c'est des images aussi un peu anciennes, mais ça fait partie. Euh, si vous voulez, rappelez-vous la première image où vous voyez, les, enfin, qui était statique mais qui en fait ne bouge pas beaucoup, hein, de la sortie des initiés plus les gens montrent en âge plus ils gagnent euh, à la fois en mobilité et, euh, et en nombre de relations, c'est-à-dire que des gens ont plus de personnes avec lesquelles ils sont en lien il y a plus de groupes de danseurs, plus de classes d'âge présentes et je vous montre quelques images qui est joli c'est de regarder, vous voyez les petits pompons qui bougent, la corde qui se balance devant, les, les pompons derrière les bras, c'est ça que les gens regardent, c'est ça les, les beaux, l'esthétique elle est concentrée là-dessus. Vous représenter que cette danse-là, ça, ça dure trois semaines. Hein. C'est dans six villages et à chaque fois, on va danser pendant presque trois jours. C'est des expériences épuisantes. On boit énormément, on s'arrête euh, brièvement pour aller. Euh, on est nourri par des amis qu'on a dans chaque village. Des amis, chaque homme a une amie féminine qui est présente dans la danse. On a aussi il y a des, des femmes parfois avec lesquelles certains sont mariés, etc., qui sont présentes dans la danse. Mais ça va durer longtemps, et en tant que tel, c'est déjà une épreuve. Donc, le, le caractère mécanique de la danse répétitif, cette espèce d'homokinésie, kinésie tout le monde danse au même moment. Quand vous regardez ça pendant des heures, ou voir quand vous le dansez pendant des heures, à un moment, l'indistinction le, entre les personnes présentes, vous la, elle vous apparaît. L'idée que ce groupe forme une classe d'âge, de gens qui ont été initiés en même temps, et une seule et même chose, les plus beaux moments, c'est normalement au crépuscule. C'est là qu'on fait le plus dur à filmer. Mais c'est là que, sous certaines conditions, à un moment, on ne voit plus les corps des gens. On ne, on, on ne repère même plus tout à fait les différences et on ne voit pratiquement plus que des ornements qui bougent. C'était la plus belle danse du répertoire et c'est fini pour les hommes, ou presque. Ils ont encore une dernière danse que j'ai filmée il y a quelques années, qui est une espèce de... où ils commencent à se parodier comme vieux. Donc ils, font, ils refont la, la même danse que vous avez vue là, et, mais les gens de l'échelon d'après, euh, là, ça c'est mes camarades d'âge, donc là, je les reconnais bien. Euh, ils ont déjà un, on passe dans un autre registre, qui est un registre un peu parodique. Et pour les derniers échelons, euh, alors j'ai même plus d'images, vraiment je regrette de ne pas l'avoir filmé, euh, à partir de, la, de 45 ans ou de la quarantaine, on n'a plus de danse en propre. Euh, C'est assez beau hein, d'ailleurs, moi j'ai mis longtemps à comprendre que c'était quelque chose d'intéressant. Les, les vieux, et, hommes comme femmes, la distinction de sexe devient moins pertinente avec l'âge. Ils n'ont plus que des espèces de, de déambulations un peu désordonnées. Euh, ils ne mettent plus des, 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 des beaux ornements, mais plutôt des chiffons. Ils, ne, ils participent encore beaucoup aux activités productrices, mais moins. Et En tout cas, ce n'est pas eux qui fournissent la bière qui va servir à la fête. Et ils réclament une bière qui n'est même pas fermentée. En gros, ils se présentent comme une espèce d'autocaricature de, de vieux, mais en même temps, et c'est ça qui est important, de gens qui ont le monopole de l'autodérision parce qu'ils sont sortis de ce système sérieux, des classes d'âge, de l'initiation, de la responsabilité. On est tous dans une société gérontocratique où plus on vieillit, plus on est sage et plus on est écouté. Et personne n'a envie des responsabilités politiques dans cette société-là. Les gens s'y soustraient autant qu'ils peuvent et ils sont ravis. Et donc, il y a en gros une quinzaine, une quinzaine d'années dans lesquelles vous avez vu les premières danses où là, on, ce sont des, des, des jeunes hommes et femmes qui sont aux commandes de la, la reproduction de la société. Euh, pour conclure, juste quelques propos plus généraux, et j'espère pas avoir été trop long. Euh, ce qui est important de voir là, c'est que vous avez euh, chaque danse que j'ai présentée, mais il y en a beaucoup plus, hein, le répertoire est beaucoup plus large que celui-là, c'était pour vous donner un indice, des, ça forme des petits mondes, c'est des espèces de, de petits mondes en soi, des espèces de modèles réduits qui permettent... Un peu par un changement d'échelle, un peu analogue à celui qui, qui sépare la carte du territoire. Il faut bien réduire la complexité pour euh, retrouver son chemin. Le, le, on n'est plus à la même échelle. Et qui permettent, du coup, de mettre en évidence certains traits de l'organisation sociale qui vont s'en dire, mais sont moins visibles. Les choses qui, moi, m'intéressaient au départ. Qu'est-ce que c'est que ces relations de parenté euh, Les différences entre les âges, entre les sexes, etc. Et chez les bassaris, alors à l'évidence, les. Les rapports entre les sexes, entre les âges, sont modelés euh, par des rituels qui donnent une certaine forme à ces relations, et un certain style. Pas, les, les rapports de genre ne sont pas les mêmes là-bas qu'ici, entre les âges non plus. Euh, les cadets doivent se montrer euh, déférents euh, envers des aînés qui les tournent en dérision. Les hommes et les femmes se tiennent à distance respectueuse, surtout s'ils sont mariés. Impossible de savoir qui est marié, on ne doit pas montrer un signe de connivence, etc. Être initié suppose un certain nombre de responsabilités. Et est, euh, on est dans des danses qui sont dans la prolongation de ces rituels et les gens l'affichent clairement quand ils les dansent. Et ces normes relationnelles, ces valeurs morales, si vous voulez, elles sont connues de tous et toutes. Hein. Euh, on est dans un monde où les, les gens se connaissent tout ça, mais elles sont euh, en quelque sorte rendues au moins partiellement tangibles euh, dans la danse. Et par tangible, j'entends ici que la danse fait plus qu'exprimer un ensemble d'idées, de valeurs qui préexisteraient, qui existeraient en elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais plutôt que la danse contribue à les qualifier, à les rendre pensables, expérimentables pour ce qu'elles sont ou ce qu'elles sont censées être. Pour le dire autrement, je crois qu'il est particulièrement difficile pour les bassaris comme pour moi, qui ai passé du temps chez eux, d'expliquer ce que sont ou ce que doivent être la masculinité, la féminité, le vieillissement, etc. Ce sont des idées finalement aussi abstraites que le sont, par exemple, pour nous, le, la bureaucratie, les droits de l'homme ou le clivage politique gauche-droite. Pourtant, et je garde ce dernier exemple, c'est la période pour ça. Même si c'est ce pas évident de définir de manière extensive et précise sur quoi repose le clivage, le clivage politique entre la droite et la gauche, on le reconnaît à coup sûr, on le reconnaît immédiatement quand on, le, quand on y est confronté. Et ce clivage, il est, enfin, non seulement s'exprime tout particulièrement lors de certains événements, une élection présidentielle pour nous, mais c'est aussi là qu'il se précise et se redéfinit à l'occasion de ces événements-là. Et donc certaines pratiques sociales d'autant plus, je crois, si elle présente une forme ritualisée, euh, contribue à qualifier les relations qu'elle donne à voir. Et à cet égard, la danse est une, une activité spécifiquement humaine, je dirais, ce je, sais pas si évident d'avoir dans cet animal, ou en tout cas, sous ce sens-là, c'est une activité spécifiquement humaine et qui est euh, à la fois singulière, non discursive, on ne le fait pas avec des mots, où les mots sont, sont secondaires, et qui parvient avec beaucoup de succès à donner à avoir des relations et en même temps les requalifier. Euh, Peut-être tu vas nous montrer ça avec un autre exemple. J'arrête là, mais on pourra discuter plus longuement. Merci. Tu veux la petite télécommande euh, oui, je vais prendre ça aussi, ouais. Bonjour à tous, merci Anne-Christine pour, pour ton invitation. Je vais donc on va se, se déplacer euh, en, en Afrique de l'Est euh, pour voir un contexte aussi de danse euh, par certains aspects assez similaires et évidemment par d'autres aspects euh, totalement différents. Je vais essayer de mettre la première image et non la dernière. Est-ce que ce serait possible de mettre le PowerPoint sur la première image parce que ça c'est la dernière en fait où je le fais. Euh... On va quand même commencer. Voilà, c'est parfait. En fait, donc on va euh... donc je, je, je travaille auprès des moursi depuis euh, maintenant déjà une quinzaine d'années. Euh, moursi qui comme vous le voyez sur cette photo, sont euh, tristement célèbres euh, pour euh, les plateaux que les femmes. Euh, euh, Porte euh, insérée donc dans leur lèvre inférieure. Je dis tristement célèbre parce que c'est ça qui leur vaut une espèce de succès euh, médiatique, iconographique, et en même temps euh, d'acharnement de la part euh, des missionnaires et de l'État, évidemment, pour abandonner ces pratiques. Euh, libre à vous de les juger à votre manière, mais en tout cas, ça leur donne un, un statut très ambivalent, euh, une sorte d'icône primitiviste euh, de pour pour nous en fait, euh, qui leur donne un statut très ambivalent entre eux, attirance et répulsion, euh, tel que documenté en fait euh, par des chercheurs, no notamment qui ont travaillé sur euh, le tourisme. Les Moursis appartiennent aussi à euh, un ensemble de populations dont l'organisation sociopolitique est fondée sur un système de classe d'âge, euh, dont vous a euh, déjà évoqué Laurent. Une autre originalité, c'est euh, une relation au bétail très particulière. On a coutume d'appeler dans la littérature toute une zone en Afrique de l'Est l'ère du cattle complexe. Cattle, c'est bétail, donc en français, l'ère du complexe de bétail, qui euh, veut tout simplement dire qu'on a affaire à des gens qui ne cessent de mobiliser, d'inclure, d'associer le bétail à l'ensemble des discours et à l'ensemble de leurs pratiques. Un complexe sportif est une zone qui est dédiée au sport, un complexe de bétail est une zone qui est dédiée au bétail, pour le dire simplement. Il y a donc une saturation de l'espace social parce qu'évidemment on pourrait dire bon pour des gens qui sont des pasteurs qui font du pastoralisme c'est normal de se préoccuper de leurs bovins sauf que là ça va un petit peu loin il y a évidemment les soins courants pour que euh, des protéines lactées et carnées soient produites certes mais il y a aussi tout un ensemble de pratiques surnuméraires qu'il est bien pratique d'appeler esthétiques parce qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas une fonction euh, Évident, alors qu'elles ont un coût à produire assez lourd, des ornements, des poèmes, des systèmes de nomination qui croisent la couleur des têtes de bovins et des personnes. Donc, tout un. Euh, pratique qui montre une sorte de, de relation un petit peu euh, compliquée entre les humains et le bovin qui va donc bien au-delà euh, de l'élevage. Je vais vous montrer quelques images donc, de ces fameuses. Euh, décoration, mais que je tenais à ne pas vous laisser trop longtemps, parce qu'évidemment, il euh, y avait le côté euh, répulsion et euh, un mouvement iconographique depuis 10 ou 15 ans de photographes qui ont lourdement payé ces personnes pour produire une ornementation euh, tout à fait exubérante et absolument pas euh, euh, reflétant leur pratique quotidienne. Donc une saturation de l'espace social par le bovin, on peut réciter des poèmes ou former les cornes de vache du bovin que l'on aime, le chanter, le chérir, on ne parle que de ça, qui a poussé certains euh, anthropologues aussi à évoquer de l'obsession. Évidemment, les gens qui n'arrêtent pas de parler de bovin, qui n'arrêtent pas de le mobiliser, sont obsédés par le bovin. Euh, et une partie de mon travail, donc dans l'ouvrage euh, que mentionnait euh, Anne-Christine Taylor, était de montrer que non, ce ne sont pas des gens qui ne sont obsédés par le bétail dans le sens où ils ne pensent qu'à ça. C'est juste que le bétail est parfois le moyen d'exprimer ou de penser à autre chose que le bétail. Un peu comme nous, on est dans des sociétés où l'argent prend une place énorme chacune de nos actions fait souvent appel à des transactions monétaire, bien que l'objectif final ne soit pas d'avoir de l'argent. Donc, il fallait un peu distinguer ce côté euh, usage euh, objectif final, de quand on en parle, de quand on agit avec, de une manière qu'on a de mobiliser le bovin pour faire autre chose. Mais, à partir de cette idée de ça sature l'espace social, ces gens en sont obsédés, ben, pendant des danses, où les gens faisaient les cornes de bovin avec leurs mains, semblaient danser un peu à la manière d'un taureau, à la manière d'un veau. Des anthropologues ont dit ils imitent le bétail. Et bon, moi j'aime bien euh, faire des imitations pour le dire simplement, et je trouvais que ces imitations n'étaient pas très réussies. Alors qui je suis moi évidemment pour juger euh, ces personnes et leur Production, ben je suis justement peut-être, euh, j'essaye d'avoir la même exigence qu'on peut avoir envers tout, tout le monde et de ne pas reconduire des stéréotypes qui sont extrêmement fréquents sur l'Afrique et plus particulièrement sur l'Afrique rurale, qui font que ce sont des productions plastiques, des statuaires ou euh, dansées qui forcément seraient incapables d'atteindre un niveau de réalisme. Non, à un moment donné, s'il si y a une imitation qui ne semble pas correspondre exactement. Au canon de la chose que l'on tente de représenter, on est en droit de dire peut-être que c'est tout simplement pas de l'imitation. Du coup, je me suis euh, d'abord intéressé à euh, deux autres activités où il y a de réelles tentatives d'imitation. La première chose, c'est la construction, euh, la fabrication en terre cuite. De petites statuettes, de petites statues, euh, euh, je mettais au feu, qui représentent là donc cette boule, c'est euh, la boule de graisse que les bovins ont entre les épaules, hein, ce sont des zébus, et là ainsi les deux cornes. Et les enfants les saisissent comme ça, évidemment choisissent les couleurs en modifiant les oxydes pour qu'ils réfèrent aux bovins. Singulier qu'il possède, qui a tantôt une robe un peu plus dans les jaunes, un peu plus dans les rouges, un petit peu plus dans les noirs, et il va organiser des combats en faisant les bruits des bovins, en essayant de répliquer la gestuelle. Un autre exemple était bah, du coup les combats réels entre enfants dans, euh, dans euh, l'enclos en, en fait où résident euh, les vaches euh, euh, les nuits donc, pour être pro protégés, les enfants à la manière des taureaux se battant, sont à quatre pattes, meuglent, se donnent des coups de tête avec pas mal de force, se poussent, se jettent. Là, on est dans un registre entre guillemets d'imitation assez bien fait. Et le problème, c'est que ces deux imitations initiales à l'inverse de la plupart des traditions artistiques où avec le temps il y a une acquisition progressive de compétences qui va vers un niveau qualitatif de réalisation euh, donc qui s'améliore. On pourrait s'attendre à des artefacts de plus en plus précis, euh, de plus en plus définis. On pourrait s'attendre à des danses, à des imitations donc qui arriveraient à récupérer un maximum de qualité, un maximum de traits singuliers, de comportements euh, extrêmement euh, référents à son bovin. Et pourtant, quand euh, des danses ont lieu, la plupart des jeunes hommes commencent par pénétrer sur l'air de danse, prennent cette posture, restent immobiles un long moment et lèvent les bras pour marquer la forme des cornes de leur euh, taureau euh, le plus gros, le plus imposant du moment. Alors évidemment, il y a tout un tas de formes de cornes, donc il y a un, un encodage en fait de formes de cornes et euh, de gestes avec les bras qui est fait. Et dans un second temps, la gestuelle va être de saisir son bâton, de le tenir à deux mains, de le dresser très haut, bâton qui fait environ 1,50 m à 2 m, et qui au bout est taillé en forme de gland et souvent recouvert d'un bout de cuir avec une symbolique assez évidente à trouver. Et ils vont garder la tête en arrière, fermer un peu les yeux. Et sauter à pieds joints en tapant extrêmement fort le sol et en tournant sur eux-mêmes, en fermant les yeux et éventuellement en rentrant dans les personnes autour qui constituent la foule. C'est ça, moi, que je jugeais comme une imitation très approximative, même si la danse en tant que telle était très belle. Euh, de la même manière, des jeunes filles, après, entrent dans l'air de danse et vont, elles, avoir une danse beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, toujours à pieds joints, toujours des sauts. Mais ce coup-ci, en écartant les bras, avec les bras qui vont suivre les sauts successifs, dans le même rythme que la robe, et le regard en arrière, un peu entrouvert, qui ne bougera pas trop, qui s'avancera en ligne droite et qui reculera. Et avec un air de détachement, et en affichant, en entrant sur l'air de danse et en sortant, une réelle attitude de je ne me préoccupe pas de ce qui est en train de se passer. Et le troisième. Séquence dansée, ça va être des femmes un petit peu plus âgées, des femmes en fait qui sont déjà mères, qui vont entrer sur l'aire de danse et qui là vont, en file indienne, toujours avoir ce geste idiomatique. De représentation du bovin en euh, formant donc la forme des cornes et vont circuler dans l'air de danse en fait en marchant mais sans avoir une gestuelle disons euh, marquée par un rythme ou marquée euh, par une, une cadence ou euh, une trajectoire très précise du coup, moi j'ai été confronté à ce problème d'une littérature qui dit qu'ils imitent les bovins alors qu'en fait ils me semblaient faire un peu moins que ça et en fait, au quotidien, quand on parle avec les personnes, ils ont des manières très précises de décrire les taureaux, de décrire les veaux et de décrire des troupeaux. Quand ils décrivent des taureaux, en fait, ils le décrivent avec des expressions assez idiomatiques qui réfèrent au bruit que font les taureaux la nuit, parce que c'est dans la nuit, l'enclos, qu'on les regroupe, et qui font des bruits sourds, en fait, très forts pour dormir tout près. C'est assez impressionnant à entendre. Entendre le bruit des cornes et souvent le risque dans ces combats-là, c'est en plus du fait que les animaux peuvent se blesser, c'est qu'ils abîment les clôtures, qu'ils fassent des trous dans les clôtures et qu'après ils s'échappent et évidemment que les hyènes et les lions autour puissent accéder aux bovins. De l'autre côté, les veaux sont décrits toujours pour leur insouciance et on va décrire des veaux qui sortent de l'enclos comme des veaux qui sautillent, qui regardent un peu en l'air, qui se préoccupent pas où ils vont et qui se perdent en fait qui ont un pas très léger très fin et de l'autre côté quand on va décrire les troupeaux on ne va pas décrire la multitude des corps on va toujours le décrire aussi par des expressions idiomatiques de la multitude des cornes qui dépassent comme une sorte de prairie herbeuse en fait d'où émergent plein de longues tiges en fait et en fait on s'aperçoit que ce que font les gens quand ils dansent ce n'est pas qu'ils imitent tant l'animal de référence on voit bien que chez les jeunes hommes le taureau est pas loin, que chez les jeunes femmes le veau n'est pas très loin, et que chez les femmes un peu plus âgées le troupeau n'est pas très loin. En fait, ils imitent gestuellement la description langagière qu'on fait de ces catégories d'animaux. Et donc, en fait, ça m'a fait penser à une phrase d'un anthropologue qui nous est cher, de Michael Haussmann, quand il décrit pendant le rituel la manière de prendre l'identité d'un autre ou d'imiter en fait une autre personne. Donc il va dire un individu qui se prendrait pour Jésus mais qui s'y prendrait de manière stricte serait moins jugé merveilleux que délirant. Mais en revanche, une personne qui se montre capable d'incarner l'état d'esprit ayant animé une telle entité hors du commun sans pour autant perdre sa propre identité constitue pour elle-même comme pour d'autres un être réellement exceptionnel. Et au fond, c'est ce que vont euh, faire en fait les morsis quand ils dansent. Ils vont pas essayer d'imiter telle ou telle catégorie de bovins. Ce qui pourrait faire croire une fois de plus à de l'obsession pour le bovin. Ils se prennent pour du bovin. Il y a un trouble identitaire entre eux en fait et ces vaches. Et là, on voit tout de suite les mots d'obsession qui reviennent, les mots de croyance et ces mots-là en fait qui sont aussi des mots dénigrants pour des personnes. En fait, l'objectif, ça, c'est d'exhiber. Euh, un certain type de qualité qui est attendue par des groupes d'âge. Et euh, la qualité qui est attendue par les jeunes hommes, en fait, c'est une qualité qui est martiale. Donc évidemment, on va s'inspirer du taureau, qui lui-même est plus, propre, plus propice à se battre, en fait, que d'autres euh, catégories de bovins. L'autre catégorie que vont exprimer les jeunes filles, c'est donc les veaux, pour exprimer les capacités génétiques qu'elles sont sur le point d'avoir et qu'elles vont produire à très court, très court terme. Et la troisième catégorie, donc, c'est le troupeau que vont exprimer donc ces femmes-là, non pas en imitant un troupeau, mais en imitant la description que l'on va faire d'un troupeau. Et en fait, ce que vont exprimer ces personnes-là, c'est les fonctions différentielles qu'elles ont dans la constitution du collectif. Un collectif qui est composé autant des personnes que des bovins. Les hommes expriment la guerre parce que c'est quand même le meilleur moyen pour augmenter le troupeau en allant voler, en allant faire des raids et en allant acquérir des troupeaux qui appartenaient à l'ennemi. Les jeunes femmes, elles, ont en charge la reproduction du collectif sur le versant plutôt reproduction des corps des personnes et les femmes les plus âgées, elles vont avoir en charge en fait la gestion du troupeau. Donc, là, évidemment, ça ouvre en quelque sorte la voie aussi à l'anthropologie du genre, parce qu'on a longtemps présenté ces sociétés comme étant des sociétés dominées par du patrilignage et dominées par les hommes. Le pastoralisme était une affaire d'hommes, là où la domesticité, l'agriculture était une affaire de femmes. On s'aperçoit dans les danses que c'est plus compliqué, et après, en retour, quand on voit les pratiques réelles et concrètes, c'est justement les femmes plutôt âgées qui ont le rôle de gestionnaire des troupeaux. Du coup la question que vous allez me dire oui mais euh, il manque quand même une catégorie d'âge au moins ce sont les vieux hommes. Et en fait les vieux hommes on pourrait tout à fait dire ben, en fait ils sont juste là en fait ils n'ont rien fait. Non en fait c'est eux qui ont déterminé quand allait avoir lieu les danses, ceux qui ont préparé l'air de danse, ceux qui ont trouvé un petit peu le petit prétexte conflictuel pour que il se passe des danses et en fait c'est eux qui vont rester toujours à 10 ou 15 mètres, l'air de rien. Alors, faites votre truc, ça ne nous intéresse pas, mais on vous regarde et on est toujours là. Et en fait, l'attitude qu'ils vont adopter, c'est tout simplement celle d'un pasteur, celle d'un berger face à son troupeau. Et en fait, chacun va, en quelque sorte, trouver sa fonction vis-à-vis -vis du collectif. Là où les vieilles femmes vont afficher leur qualité de gestionnaire d'un troupeau, les vieux hommes vont afficher leur qualité de gestionnaire du troupeau des hommes, donc leur qualité de politicien. Et de garant de l'ordre politique et de la gestion des affaires collectives. Et là où on a pu penser qu'il y avait de limitations, en fait, d'un point de vue esthétique, c'était au contraire des formes beaucoup plus subtiles, relativement simples en fait, mais pour exprimer des idées assez complexes sur ce qu'est être une femme, sur ce qu'est être un certain type de bovin, mais surtout pour trouver une représentation commune qui, dans un même élan, représentent et les bovins et les personnes. De leur point de vue, il n'y a pas une société des humains et à côté de celle-ci, cohabite une société des bovins qu'on produit, qu'on tue, qu'on mange, dont on se sert. Il y a une société commune, une vie commune avec des impératifs de reproduction. Il faut reproduire le troupeau de bovins, il faut reproduire le troupeau des humains et il faut essayer de gérer le troupeau des bovins, il faut essayer de gérer le troupeau des humains. Et eh bien, chacune des gestes dans cette danse n'essaye pas d'imiter seulement la personne en propre, parce que la femme qui, la jeune femme, ne danse pas la jeune femme, elle n'essaye pas non plus d'imiter le veau, parce qu'elle n'essaye pas de danser comme un veau le ferait. Elle essaye de prendre certaines des qualités du veau, qui ne sont pas des qualités. Corporelles, qui sont des qualités de caractère, qui sont des qualités de possible, qui sont des qualités de manière d'intégrer la société et d'y participer, pour donner une représentation de son rôle dans la société, qui inclut donc les humains et les bovins. Et c'est tout pour moi, et on peut partir aux questions. C'est déjà beaucoup. Merci à vous deux. Vous avez admirablement, de façon très concise, réussi à montrer. Comment la danse vraiment génère, euh, de, génère la société, d'une certaine façon. Euh, génère, euh, euh, et de façon en plus très précise, non discursive, non. Enfin, il n'y a que la danse qui peut faire ça, d'une certaine façon. Et, et c'est évidemment remarquablement intéressant. Ce qui est. Euh, D'abord, pour. pour parler un, euh, un moment de, de ce que nous a raconté Laurent Gabaye. Euh, il y a une chose qui, qui est frappante dans, euh, dans ton affaire, c'est le côté parodique. Euh, c'est les éléments de parodie d'un machin qui, à l'évidence, joue un rôle euh, générateur de société particulièrement important, qui est pris très au sérieux, et en même temps, il y a ces éléments de, de parodie, d'auto-parodie, etc. Comment est-ce est que tu peux nous, nous dire un mot de cet aspect-là des choses Ça m'emmène, c'est des réflexions que qui sont en cours sur l'humour sur même en général et l'humour dans les contextes rituels. Ouais. Et en fait, euh, ce que j'ai en tête avec ça, c'est d'un type de rituel particulier, l'initiation. Euh, il s'agit de faire un tour à des gens. Bourdieu en parlait bien, il y a une magie de l'initiation, mais qui consiste à transformer socialement, à définir une limite, et à partir de laquelle des gens sont devenus d'un seul coup des adultes. D'où le fait qu'il n'y a pas tellement d'adolescence dans cette région-là. On passe d'un état à un autre rapidement. Et il ne s'agit pas d'adhérer de manière crédule aux choses. Bien au contraire, il faut trouver la bonne distance. Et le dans les théories un peu de la personne, les, les, les gens maintiennent une certaine opacité. On ne doit pas être totalement. Euh, nos états d'âme ne doivent pas être percés à jour. Et on ne doit pas raconter tout ce qu'on pense. Et de même, on ne doit pas adhérer à tous les contenus. Ce qu'on voit pas là, ce que je n'ai pas montré dans ces images-là, c'est qu'il y a des masques. Il y a des, des, des mmh. masques qui sont à la fois des, des esprits, biles, euh, des, des êtres un peu étonnants, mais euh, personne n'est dupe du fait qu'ils sont animés. Euh, par des humains, on reconnaît les silhouettes et dès qu'on a l'œil un peu averti, on sait exactement qui est sous le masque. Et ce qui compte, c'est de maintenir cette ambivalence-là, de garder cette distance-là avec le, le... Quelqu'un qui pense que les masques sont des esprits, c'est ou un tout petit enfant, ou les fous. Quelqu'un qui pense que ça n'est qu'un humain un peu déguisé, mais il n'a pas compris de quoi il retournait. Et cette distance-là avec la croyance, on la trouve... Très bien, enfin en tout cas, elle résonne, si tu veux, avec le oui. ce qu'on a dans l'ironie, le, le fait de dire une chose qui veut en dire une autre. Et c'est une compétence que les gens apprennent. Il y a vraiment un savoir rire, si vous voulez, et qui va de la quand on est jeune de recevoir la moquerie sans s'y de savoir l'adresser, de savoir l'adresser à d'autres de manière plus subtile. Et le sommet, c'est de maîtriser l'autodérision. Et c'est ça l'horizon. L'horizon, il est là et il est de cette distance qu'ont les gens. Aussi avec ce qui a fait de même ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes. L'initiation n'est qu'un truc, et tout le monde le sait. Euh, et il faut la prendre suffisamment au sérieux, mais pas trop. No. Oui, effectivement. Oui, oui. Euh, tu retrouves la même chose, Jean-Baptiste Alors, pour le coup, pendant le moment de danse, il n'y a aucune ironie. Aucune ironie. Et ça, c'était justement il y a très longtemps des discussions avec Laurent où euh, j'avais étudié d'autres choses, des poèmes, et notamment euh, un système de noms très compliqué où les gens ont un nombre incalculable de noms. Disons, euh, si je connais 100 personnes, j'ai 100 noms différents qui vont être composés de ma couleur et tout. Évidemment, à la manière qu'on a nous de faire, on pense au nickname, on pense au surnom, et éventuellement des noms qui vont jouer sur notre caractère, qui vont être des blagues et tout. Et en fait, absolument pas, ce n'était vraiment pas euh, l'objet, en fait. Euh, alors, pour le coup, une chose qui différencie aussi euh, là où je travaille, de là où Laurent travaille, c'est que euh, euh, là, dans le cas des Morsi, on est vraiment dans une société martiale. L'ordre politique et les classes d'âge, c'est des rapports de pouvoir. Ça doit être des vieillards, maigres, qui eux-mêmes ont tout à fait conscience de leur corps euh, qui devient moins euh, puissant, moins endurant, et qui en même temps doivent dominer des personnes de 20 à 30 ans qui eux, au contraire, sont dans l'exhibition de leur corps et tout. Donc c'est vrai que dès qu'il y a en place cette histoire de classe d'âge, l'ironie là euh, fait assez peu, assez peu partie du euh, propos. <laughs> c'est trop dangereux. <laughs> oui. Ce qui est très frappant pour moi, qui euh, l'expérience de l'Amazonie, c'est effectivement le, euh, en tout cas dans ces danses-là, l'absence d'esprit justement. C'est vraiment des affaires complètement tournées vers euh, vers la société des humains, euh, des humains incluant les bovins, en l'occurrence, dans, dans le cas des, des mursis. Euh, enfin, le, la société hybride bovino-humaine, disons. Euh, alors qu'en Amazonie, les danses, dans leur écrasante majorité, quand même, sont des affaires où on sait bien, effectivement, que c'est des humains qui font euh, masquer, toujours, mais... C'est des esprits, ce n'est pas du tout la société qui, qui se met en scène. On met en scène une société d'esprits euh, qu'on présentifie d'une manière très particulière, sans nécessairement dire les esprits sont comme ça, mais en laissant entendre que les esprits ont ce type de mouvement, que les esprits ont ce type de, de qualité perceptive, par exemple, euh, et ainsi de suite. Mais il ne s'agit pas du tout de mettre en scène des, des fonctions, des places, des, des éléments de la machinerie sociologique, disons. Et ça, c'est très frappant euh, pour un œil extérieur, si euh... oui, je vous dire. Oui, moi, je, je me rappelle d'une un, petite phrase de Serge Tornet, donc un ethnologue euh, des années 70 à 90, qui s'est beaucoup rendu euh, chez les Nyangatom, donc c'est dans le sud éthiopien, à la frontière avec le Soudan. Qui disait c'est le, vraiment les groupes les moins religieux que l'anthropologie connaît. Non, bon c'était une euh, <laughs> une expression euh, peut-être pas du verbatim mais l'idée en fait était là. Euh, c'est vrai qu'il y avait il y a un, un aspect très anthropocentré que Torné essayait de résoudre euh, un peu en s'inspirant des travaux sur les royautés sacrées et sur bah, le type nous de de comment dire le, 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 le divin, le sacré, les esprits n'est pas toujours dans un autre monde. Il y a aussi des humains qui sont les dépositaires de ces qualités-là, le pharaon, les rois de France, et que lui, l'interpréter ça comme étant les personnes les plus âgées de la société, sont en quelque sorte la part divine qui se justifiait par le fait que d'habitude dans le sacrifice, on sacrifie à des dieux, et là, on sacrifie aux anciens. C'est une manière, en fait, de voir les, les mêmes choses. Il y en a une autre qui n'est pas incompatible avec celle-ci, mais ces dents sont aussi pour fonction d'être extrêmement clarifiantes dans un monde qui ne l'est absolument pas. En fait, euh, le monde quotidien des Moursy, en fait, il est complètement euh, euh, étalé sur un territoire avec une densité de population extrêmement faible. Donc au quotidien, on fréquente 3, 4 personnes, 5, 6. Mais il n'y a quasiment aucun moment de la vie, il n'y a pas de marché qui existe, il n'y a pas. Et Donc, c'est assez rare de se retrouver en tant que tel. C'est dès l'âge d'âge, il n'y a pas de chef, donc il n'y a pas de centralité, il n'y a pas de référent commun très clair et très stable. Et puis, il n'y a pas les euh, appuis stabilisateurs que l'on a nous. Je suis passé tout à l'heure devant l'Assemblée nationale. Il y a des drapeaux français qui nous rappellent qu'on est français, qui nous rappellent plein d'injonctions identitaires qui sont extérieures à nous, mais qui nous les rappellent et on sait le monde dans lequel on est il y a aussi des mondes dans lesquels ces injonctions là sont pas très claires voire carrément absentes et du coup ces moments de réunion ont aussi pour fonction euh, de renforcer de clarifier et comme tu l'as dit de stabiliser des relations sociales qui au quotidien sont presque inexistantes et pas loin comme avec les esprits quoi. on ne les voit pas souvent et parfois il faut trouver des conditions de les faire émerger pour savoir comment plus ou moins interagir avec eux Là, il y a une telle difficulté au quotidien social de savoir qui on est. Euh, bon, il y a une, aussi un autre type de logique qu'on qu appelle traditionnellement la logique segmentaire, qui fait qu'il n'y a pas un seul groupe qui définit les Morsis. Le groupe des Morsis lui-même se décompose en cinq sections territoriales, qui lui-même se décompose en une multitude de clans, en une multitude de sous-clans. Du coup, selon le moment, on appartient à tel ou tel groupe. Des fois, c'est. Parce que c'est un clan. Des fois, c'est parce que c'est mon voisin. Des fois, c'est parce que je suis à Des fois, donc l'espèce de centralité identitaire qui nous nous semble complètement intuitive, en fait, elle l'est parce qu'on est fruit d'un apprentissage, fruit d'une politique républicaine qui nous, euh, on n'a pas besoin de beaucoup de rituels pour savoir qu'on est des Français. En fait, là, dans ces situations-là. Il y a une indécision du quotidien qui nécessite de faire recours à ces espèces de grands outils de clarification. Et là où je travaille, c'est vrai que les rituels ont beaucoup cette fonction-là, de révéler des choses qui au quotidien sont difficiles à, à incarner. Euh, Est-ce que vous avez des questions dans la salle Sinon, moi j'en ai évidemment. Euh, le, le, les danses euh, chez les boursiers ont l'air techniquement relativement simples. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas besoin d'un apprentissage particulier pour apprendre comment faire. L'observation suffit, pour ainsi dire. Chez les Bassaris, ça a l'air un peu plus complexe. Est-ce que comment est-ce qu'on apprend en fait à, à faire corps de cette manière particulière dans, dans les danses propres à chaque classe d'âge Je ne crois pas que c'est si compliqué en fait. Parce que non, ce n'est pas C'est des danses extrêmement répétitives, qu'on oui. danse très longtemps, euh, qu'on ne répète jamais. On ne répète jamais. Euh, répète jamais. Euh, jamais. Oui. Ce qui est très compliqué et ce qui fait l'objet d'appréciation esthétique extrêmement élaborées, c'est le chant. Et alors là, il y a que des gens qui chantent bien, et parmi les gens qui chantent bien, des gens qui chantent extrêmement bien. Et là, les gens sont extrêmement précis, et il s'agit de, de singulariser au maximum, et les grands chanteurs, c'est les seules limites dont on parle encore après leur mort. Les morts, on les oublie, ou on en parle très peu. Un grand chanteur, c'est quelqu'un qui marque, marque son temps. Un grand danseur, c'est presque une, une contradiction dans les termes. Ce qui compte dans la danse, c'est de réussir à faire disparaître son individualité. Dans un collectif plus large. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, j'ai suggéré que je m'étais. J'avais un peu honte. J'avais une perception de la danse qui est que la danse, c'est une affaire de spécialiste dans notre société, qu'on s'expose et qu'on est potentiellement ridicule dès qu'on ne sait pas danser. Et par une espèce de malentendu un peu étonnant, je me suis retrouvé, moi, à me dire il faut que je me fonde dans la masse. Alors, il m'avait fait boire un peu. Enfin, on avait tous bu beaucoup. Donc ça aide. Et, euh, et en fait, la, 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 la mécanique, on la trouve assez rapidement. Là, il y a une cloche à manier de la main, c'est fatigant surtout. Il faut trouver un mouvement de décontraction des, de l'arrière des bras qui fait tourner les petits, les petits plumeaux. Il y a une euh, certaine rigidité du haut du buste qui doit être maintenue pour animer en fait, des ornements. Mais euh, on se cale sur les pas du voisin. Et moi, je me calais avec un tel mimétisme. Et j'étais tellement... Euh, que les, les vieux ont dit, ah, non, tu as vraiment bien dansé. Et j'ai même selon les standards des vieux, mieux danser que certains de mes copains qui, eux, sont plus habitués à jouer de ce cadre-là pour faire une petite feinte, faire un petit truc qui singularise et qui donne l'aspect un peu chaotique que vous avez vu, ce n'est pas un unisson, c'est pas un défilé militaire. Les gens, justement, apportent, mais c'est sortir un peu, c'est jouer déjà un peu avec la règle. Donc Tout ça pour dire que ce n'est pas si compliqué de bien la danser selon les critères comme moi je l'ai fait. Bien la danser en rajoutant des choses en, en trichant un peu, c'est peut-être une autre. Mais c'est surtout bien la danser longtemps, qui est dur. Oui. L'épreuve, elle est physique. Et puis, on... quand on, un moment, on... moi je tombais, hein, j'allais dans un coin, et les vieilles femmes viennent avec de la, de la cendre de bois qu'elles nous jettent dessus. <laughs> Yel y le Va sur la piste. Et c'est les femmes qui nous poussent à aller, à revenir sur la piste de danse. Ouais. Et les danses des masques sont beaucoup plus compliquées. Ce dont j'ai pas parlé. Il y a quand même des des trucs un peu d'esprit qui sont les masques. Oui. Et là, les performances, surtout vocales et chorégraphiques, sont plus dures. Et, et là, on fait des différences entre des gens qui savent faire mieux que d'autres. Oui Bonsoir. Est-ce que ces sociétés sont touchées par le monde extérieur, par les images qui circulent à travers le monde Est-ce que les jeunes sont sont Parfois peut-être tentés par, par partir. Est-ce que quel avenir aussi, donc toujours dans la, dans la suite de cette réflexion, est-ce que les jeunes tiennent à rester Que vont devenir ces sociétés finalement dans, dans les décennies qui, qui viennent Merci. Ce qu'elles vont devenir là, c'est pas évident. Moi je suis pas devin, il y a des, des gens que je suis depuis un peu plus de 15 ans. Et il y a peu de témoignages historiques sur le passé distant. Mais vraiment, vraiment j'ai quelques traces, donc ce n'est pas évident de savoir exactement d'où elles viennent et où elles vont. Ce qui est certain, c'est que les gens ont toujours bougé. Alors, le contact avec le monde extérieur, eux, le provoquent beaucoup. Euh, en tout cas, ils vont le chercher dans une zone qui est assez loin, quelques centaines de kilomètres. Chaque, chaque année, là, c'est la période où les gens normalement reviennent, il est... Une personne complète, quelqu'un d'accompli, pour un homme comme pour une femme, il faut savoir bouger. Il faut aller à quelques centaines de kilomètres, travailler, ramener des choses de l'extérieur, euh, reproduire la société en allant ponctionner ce qui nous. Il y a des modes, les choses changent, les vêtements que vous voyez là, c'est des cycles tous les cinq ans, on change. Ici on peut avoir le dernier vêtement chinois à la mode, ils vont le faire, mais on a le droit de porter tel vêtement selon qu'on est de telle classe d'âge ou de telle autre. C'est-à-dire que les éléments du monde extérieur sont aussi repris localement. Est-ce que les gens ont envie de bouger Donc, à l'échelle régionale, oui. Euh, moi, quand j'y étais, et là jusqu'à récemment, il y a quelques années, les... la France, ils s'en fichent un peu. Quoi. <laughs> je racontais mes histoires de France. C'était vraiment de la curiosité euh, diplomatique parce que je suis un bon copain. Mais en fait, au bout de cinq minutes, mes histoires ne les... les passionnent pas trop. Alors Tout ça pour dire qu'il y a des, des grandes variations, même à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des, des, des mouvements migratoires très forts vers l'Europe. Ça dépend où on est, dans, dans quelle société eux vont, vont assez bien. Euh, et les gens qui ont migré, il y a quelques bassaris qui viennent du Sénégal, qui, certains ont, ont migré, mais c'est vraiment quelques personnes qui ont migré jusqu'en France. Donc par le Sénégal, peut-être qu'il y aura des, des portes de migration plus importantes, mais euh, je dirais que, enfin, peut-être, je ne peut sais pas si c'était le sens de votre question, mais ce n'est pas des sociétés, en tout cas là, les bassaris. Euh, ne sont pas pris dans un espèce de tourbillon de mondialisation qui les anéantit. Depuis assez longtemps, ils gèrent les relations avec l'extérieur, un extérieur qui contrôle à peu près, en se transformant. C'est une société qui est prise dans le mouvement historique, mais qui n'est pas prise dans un tourbillon. Je crois. Le, le, le système des classes d'âge continue à être aussi ferme, si je vous dis. Oui, il est très efficace. Alors, c'est marrant, il ne marche plus tout à fait pour les gens qui sont nés ailleurs, nés dans la capitale, ce qui est pas trop le cas en Guinée, un peu plus au Sénégal. Et moi, j'ai croisé des, des bassari avec qui je pouvais parler un peu, mais qui sont nés dans la capitale, alors ils ne ils sont pas au courant du système de classes d'âge. Donc, c'est très local, c'est quelque chose qui marche quand on y est, quand on le pratique tous les jours. En revanche, je ne connais pas un seul homme basari qui n'ait pas été initié. Et même des gens qui sont partis jusqu'en Europe, on va les ramener pour faire l'initiation. Là, ça c'est vraiment non négociable aujourd'hui. Oui, j'aurais peut-être aussi un petit mot à ajouter, justement parce que les Morsis sont un de ces emblèmes primitivistes et qu'on a tendance à voir comme des archaïsmes, à dire comme des euh, euh, choses présentes, de manière contemporaine, qui euh, viennent directement du passé et euh, n'ont pas eu à subir les évolutions euh, attendues. Euh, C'est plus compliqué que ça. En fait, ça dépend toujours d'un point de vue. Parce que si on prend le point de vue euh, des sociétés locales, locales au sens large, on parle, comme là, on dit Laurent, de centaines de kilomètres. C'est vrai que dans le sud de l'Éthiopie, sud du Soudan et nord du Kenya, l'Éthiopie tout particulièrement, il y a eu plusieurs régimes autoritaires qui ont fait qu'il y a. L'impossibilité pour une économie de marché euh, type occidental de s'implanter, et puis il n'y a pas eu de diamants, d'or, de pétrole, donc ça a, ça a facilité un peu une relative tranquillité. Par contre, localement, euh, les Nyangatom, que je citais tout à l'heure, ont à peu près 200 ans. En fait, ils étaient au nord de l'Ouganda il y a 200 ou 250 ans, ils ont traversé le Kenya, ils se sont séparés, une partie est allée au Soudan, s'appelle les Toposa et une autre est allée dans le sud éthiopien. Et Nyangatom, donc leur ethnonyme, vient de Nyametom, qui veut dire euh, les mangeurs d'éléphants. Évidemment, c'était une appellation un peu péjorative qu'ils ont requalifiée en Nyangatom, qui voulait dire les fusils jaunes, parce que les Kalachnikov, suite à la chute de l'URSS, en fait, il fallait vider les entrepôts d'armes et qu'ils ont commencé à en envoyer plein pour la guerre du Soudan. Ils ont eu accès en fait, à ces armes-là. Donc les Nyangatom. Sociétés traditionnelles parmi les traditionnelles sont nommées à cause de Kalachnikov, à cause de la chute d'un empire soviétique. Donc, d'une part, en local, ça n'arrête pas de changer, et des fois, il y a des effets indirects de changement à très très grande échelle. C'est sûr que les changements. Et puis, il y a aussi une, comment dire, une, une habitude, un certain type de population, et notamment ces populations mobiles avec leurs troupeaux et qui n'ont pas de pouvoir centralisé. C'est qu'elles sont. C'est aussi des formes sociales développées pour contourner, pour ne pas être captées par des pouvoirs centraux, par des États, par des empires. Donc il y a aussi une réelle habitude fondée dans l'histoire de contournement de... De... de groupes de domination, en fait, et on produit des formes sociales, en fait, pour s'en émanciper. C'est sûr que la domination et que l'intrusion que provoque une implantation de canne à sucre, l'expropriation d'un territoire, euh, un désarmement de la part du gouvernement sont des chocs puiss puissants. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies euh, initiatives, innovations, réappropriations assez fortes. Souvent, les changements qui euh, entraînent parfois la disparition de certains systèmes culturels et notamment des pasteurs qui transument, c'est dès lors qu'on met... Euh, la sédentarisation, le salariat et le recours aux énergies carbone pour produire du travail. Là, en fait, c'est souvent ça qui produit des changements extrêmement forts. Après, qu'il y ait des textiles, qu'il y ait des pots en aluminium, qu'il y ait la conscience extrêmement forte qu'on appartient à un État qu'on ne connaissait pas il y a dix ans, ça, c'est des choses avec lesquelles on s'accommode, mais qui ne. Qui, comment dire, qui ne provoque pas une perte culturelle si massive que ce que l'on croit souvent d'un point de vue extérieur. Oui, juste pour compléter, il y a aussi des, des, enfin, des réappropriations. Là, c'est le truc le plus classique, mais j'y pense. On a un collègue qui bosse d'ailleurs dans ton coin, qui travaille chez les Sambourous et qui est ethnomusicologue, Giordano Marmone, et qui lui étudie la manière dont les. Le, 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 les gens ont des téléphones portables et ils passent leur temps à enregistrer des musiques, à les diffuser, et donc ils font quelque chose qu'ils ont toujours fait, mais un peu plus vite. Et donc un téléphone portable peut être un, un instrument de traditionnalisation, si vous voulez, je caricature un peu, mais ça peut aussi fonctionner comme ça. Les, les signes extérieurs peuvent être réappropriés et utilisés à d'autres fins. Quoi. Oui. De façon effectivement, c'est une bonne, bonne illustration du fait que euh, Contrairement à ce que nous avons tendance à croire, ces cultures dites exotiques sont en fait beaucoup plus solides qu'on ne le croit. Et elles sont solides pour une raison très simple c'est que les gens y tiennent, tout simplement. Les gens trouvent de la valeur, à, à, par exemple, à ces rituels d'initiation, au système des classes d'âge, au complexe bovin, à, etc., etc. Ils y tiennent. Et donc, ça, c'est des choses qui résistent, qui, qui peuvent résister longtemps, euh, sauf évidemment euh, si les troupeaux disparaissent, ce qui peut arriver, euh, ou s'il y a des, des, des catastrophes politiques particulièrement dures, etc. etc. Mais cette idée que l'occidentalisation euh, érode nécessairement et dissout, nécessairement les, les sociétés qui étudient classiquement les anthropologues est, est une idée tout à fait fausse en réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Attendez une seconde parce qu'on vous entend mal. Oui bonsoir. Moi j'avais une question concernant les Bassaris. Est-ce qu'il y a des... D'initiation dansée consacrée aux femmes ou est-ce que ça concerne juste les hommes Oui, alors les. les... Pardon, là, là j'ai présenté la, presque la moitié de la société, j'ai honte. Euh, C'est encore plus compliqué, les affaires de danse des femmes. Euh, mais sur le côté initiation, il n'y a pas cette grande institution il n'y a pas une grande initiation collective pour les femmes. Moi, ça m'a beaucoup travaillé, puis je n'avais pas non plus accès à tout. Le, le, le plus j'ai été socialisé dans ce monde-là, le plus je l'ai été comme un homme. Et donc, c'est même encore plus retors. Hein. C'est-à-dire que j'ai appris, euh, malgré moi, j'ai fini par me rendre compte que j'agissais un peu comme mes copains. C'est-à-dire qu'on apprend à. C'est une forme de discrétion de ne pas s'intéresser aussi aux affaires rituelles que les femmes mènent de leur côté. Et les femmes font de même avec les hommes. Alors. C'est asymétrique parce que les femmes connaissent beaucoup plus les coulisses, parce que les hommes font grand cas, grand bruit. Ils ne peuvent pas faire un rituel sans signifier qu'il y a quelque chose de caché. Et <laughs> cette chose cachée, on en connaît les grands bouts. Quoi. Les femmes, elles font les choses de deux manières. J'ai travaillé avec une collègue euh, qui est elle-même moitié bassari moitié italienne et on a vraiment, euh, elle a travaillé de l'autre côté de la frontière, donc on a beaucoup bossé sur les, ces comparaisons de rituels masculins-féminins et c'est assez marrant parce qu'il y a une variation régionale assez forte entre son terrain et le mien. C'est est 20 km hein, mais... Ça change et, ça... et en gros les rituels féminins, il y a des, des choses qui quand on demande aux hommes et aux femmes ah oui bon c'est comme l'initiation mais c'est pas tout à fait pareil mais c'est un peu comme ça et euh, le rituel signature dans le... moi l'endroit où je travaille les femmes ont des coulisses où elles font des choses assez sérieuses où elles expliquent ce que sont les, 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 les successions des classes d'âge et le qu'une femme est d'abord une femme avant d'être l'épouse d'un mari concrètement c'est un peu de cet ordre là. Mais la part publique de ça, c'est dans la maison, justement, du mari, c'est pour une seule femme, et on va le faire autant de fois qu'il y a des femmes, et des femmes qui sont déjà des mères, qui ont déjà des enfants, donc beaucoup plus âgées que les jeunes garçons. Et là, c'est une parodie de l'initiation masculine. Les femmes tournent en dérision le rituel d'initiation masculine. Et elles vont assez loin, hein elles tournent en dérision, y compris des choses qui. Bon, Ce ne pas les plus secrètes des plus secrètes, mais quand même, on ne devrait pas en parler. Elles y arrivent et elles arrivent même. À... À attraper les hommes qui sont obligés de s'auto-parodier encore. Donc, les... on retrouve ce truc d'auto-parodie. De, de, L'autre variante, euh, c'est un rituel qui est décrit donc par cette collègue. Et là, quand les femmes font les choses euh, de manière secrète, elles le font de manière encore plus secrète. C'est-à-dire que les hommes sont à peine au courant. Et là, il y a ces rituels aussi avec un peu de. Alors, ça marche un peu avec des brimades de femmes plus euh, plus âgées, mais qui euh, où il faut rester quand on est là, c'est plusieurs femmes rester. Euh, Assise pendant très longtemps, nue sur une pierre, jusqu'à uriner. Le, le rituel s'appelle Dernier les mots, que je le pisse. Et on dit aux femmes que si elles ne sont pas assez courageuses, elles ne vont jamais tenir les douleurs de l'accouchement, etc. Et ces deux dimensions, en fait, sont présentes, hein, des deux côtés de la frontière. Mais euh, au Sénégal, on se moque, euh, les femmes savent tout, très bien se moquer des hommes. Et euh, en Guinée, on sait aussi très bien faire des rituels secrets que les, les, que les hommes ne voient pas. Mais c'est un peu la, la bifurcation, si vous voulez. De, qui a d'un côté à l'autre de la frontière où on accentue plutôt ou la parodie ou le rituel secret. Et les danses sont toujours la partie visible de ces choses-là. Au fur et à mesure, la plus belle danse des femmes, euh, c'est à 50 ans. C'est quand elles sont au sommet. Et là, et c'est là que les hommes disent, c'est les femmes, c'est là qu'elles sont les plus belles. Et elles sont sorties, euh, un peu comme les hommes sont sortis des responsabilités rituelles au moment où on a initié des garçons, puis après on a initié des gens qui en ont initié d'autres. On a fait le boulot. Et des femmes qui ont mis des enfants au monde, et surtout des filles, parce qu'on est dans une société matrilinaire, qui à un moment, elles-mêmes, ont mis des enfants au monde, on a fait le boulot. Et on est un peu libéré aussi des tâches domestiques. Et donc là, elles ont un temps pour se faire belle pour sillonner de la plus grande danse, d'aller dans plusieurs villages. Et à cet âge-là, les, les femmes qui piétinent, et, euh, et elles trompent leur mari. Là aussi, on n'a pas dans des domaines où les. les, les Dire. Afficher la jalousie, c'est vraiment la, la pire des choses qui peut arriver. On, on perd tout crédit. Donc il faut réussir à... à et puis il y, y a assez peu de contrôle hein, de, de, de la sexualité de part et d'autre. Mais il y a toute une période de la vie, on n'est pas pris dans des histoires adultérinées à cet âge-là. C'est tout à fait possible. C'est assez marrant. On voit les hommes qui sont un peu... Il Ils a aucun moyen de réagir. Et euh, les femmes sont parties, elles ont quelques aventures euh, au moment, au sommet, quoi, à 50 ans. C'est à peu près le même, le même, la même classification des. C'est strictement parallèle pour les hommes et les femmes. C'est les mêmes noms. Non. Alors c'est pas du. Non, c'est pas les mêmes noms. C'est strictement parallèle. C'est-à-dire c'est exactement le même calendrier. Puis on a une personne dont c'est la fonction qui Afnan, celui qui compte et qui va dire tous les six ans, bon, tout le système se décale. Et les. Alors les jeunes filles sont rentrent dans le système de d'âge un peu plus jeunes, mais elles rentrent plus haut, ce qui fait que moi en tant qu'homme. Le... les filles de ma classe d'âge sont plus jeunes et j'ai le même âge que des, des filles qui sont euh... presque deux échelons au dessus de moi quoi euh... et euh... mais sinon c'est les Pardon, je vais pas les premiers noms des... des échelons des femmes sont en fait des génitifs sont construits c'est celle des hommes celle des intels celles des intels pendant quelques années et à partir d'un certain moment elles deviennent celles de la danse intel celle de au euh, celle de la danse au sebok celle qui ont cessé de faire ohut, au yil, celle qui tourne, au do celle qui piétine. Et donc leurs noms de, de, de classe d'âge sont en fait des noms des danses qu'elles accomplissent et qui prennent en valeur en, fait, en montant l'échelle des âges. D'autres questions Quelle est-il On avait dit qu'on terminerait peut-être un peu tôt ce soir pour ne pas. pour ne pas. pour. Euh, donner à tout le monde le temps d'aller euh, regarder le débat. En tout cas, il me reste à vous remercier très chaleureusement l'un et l'autre. C'était absolument merci passionnant et, et, et on a vraiment parfaitement. Euh, euh, vous avez parfaitement rempli le contrat. Qui était promis par le titre de votre exposé, en l'occurrence. Effectivement, on voit bien comment ces techniques du corps produisent des relations sociales dans les deux cas, et c'était particulièrement bien fait. Donc, merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci à vous. Merci à tous.